que vous vous souvenez de quelques mots ou des choses essentielles de la pédagogie de M. Leclerc? Il s'attachait à quoi quand il faisait travailler? Il fallait que ce soit propre. Il fallait que ce soit beau. Je ne vais pas dire qu'il fallait. Il était soliste à la radio à Lille. Une radio qui fonctionnait tous les dimanches matins, il y avait un concert. Et très souvent, les concerts, c'était un peu dans la tradition du siècle passé, il y avait quelque chose avec la trompette solo. Voilà, c'était la musique populaire. Sans être dans la musique musette, je veux dire, mais c'était joli et on avait plaisir. Ah tiens, il y a Maurice Leclerc qui joue. Envie d'entendre ça. Et on avait envie aussi d'imiter. Donc c'est ça qui vous a prédisposé à privilégier le bel canto dans le jeu, dans la façon déjà, de jouer. Déjà, oui, certainement. Certainement que ça a pu avoir une influence. Donc Fauveau est une continuation de ça. Ben, c'est-à-dire Fauveau était une continuité de... Il était pratiquement de la même époque que Leclerc. Même génération. Même génération. Je ne sais pas s'il n'avait pas eu les mêmes professeurs. Et Fauveau avait plutôt tendance à je ne veux pas dire le mot critiquer, mais à trouver le jeu de Leclerc un peu trop, selon qu'on a pu trouver après, dans le jeu de Savary. C'était, Leclerc, c'était, je ne vais pas dire plus brillant que Fauveau. Fauveau, ce n'était pas brillant, c'était chatoyant, c'était de plus sensuel. Bon. Leclerc avait un côté de faire une jolie phrase, de faire de la musique et non pas de la trompette. Je peux dire ça maintenant, à l'époque, je ne réalisais pas. Me présenter à Paris, on jouait la pièce de Pessard, je crois, où il y a une cadence à la fin. Pipa, 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 si, si, non, jusqu'au contrut. Et lui, il est allé jusqu'au mi bémol. Alors je lui ai dit, mais on peut faire ces notes-là, parce que pour moi, la trompette, ça a été au contrut. Mais bien sûr, puisqu'il vient de le faire. Ah bon, merci monsieur. Je suis passé à la maison, pris la trompette, hop, je suis allé jusqu'au mi bémol, sans savoir. Vous avez donné l'autorisation. Oui, Leclerc donnait l'exemple. Avec, d'abord, toujours jouer, et toujours les réflexions avec le sourire. Jamais dire, tu es un fainéant, t'as rien fait, t'as pas fait tes gammes, t'as pas fait ceci. T'as... Non. Sans préparation particulière. À l'époque, ça n'existait pas. Ce qu'on appelle l'échauffement de puits. Il faut reconnaître que celui qui pouvait jouer, jouait, mais celui qui pouvait pas, il arrivait qu'il ne jouait plus. Voilà.
parce que ça a son utilité. Il n'y avait pas l'entraînement physique qui est indispensable, comme nous avons développé depuis 30-40 ans. Qui est indispensable. Et qui fait gagner du temps, quand même aussi, pour l'évolution des possibilités d'exécutants, comme premier trompettiste surtout. Bonjour Monsieur Delmotte, je suis Robin Bertoncini, cornet solo et trompettiste dans l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Et j'aurais beaucoup aimé vous entendre raconter un souvenir qui vous a marqué durant votre carrière dans l'Orchestre de l'Opéra de Paris. Et pourquoi pas également une anecdote, musicale ou extra-musicale, qui vous est arrivée et qui reflèterait l'ambiance qu'il y avait dans l'orchestre et dans le pupitre de l'opéra à l'époque. Ah, vos questions me ramènent 70 ans en arrière. Et je dois dire que pour les satisfactions, j'en ai eu beaucoup dans cette maison, magnifiquement, avec des chefs surtout importants et le plus grand, c'était le célèbre Knappersbusch, avec des soirées de tétralogie, de Parsifal, enfin les Wagner, dans une ambiance musicale exceptionnelle. Et cela, ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Même mes collègues qui étaient à cette époque en même temps que moi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de les revoir, tu te souviens de Knappersbusch. C'était exceptionnel. Des anecdotes, ce serait très difficile. On pourrait en discuter de vive voix, mais on ne peut pas les écrire.